Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Aigret, président de l'Observatoire de Paris. Donc, c'est sur une proposition de Vincent Lacroix qu'on a, disons, avec nos amis de Maignan International, adopté l'idée de travailler sur un concept nouveau pour nous, la rose astronomia, la rose de l'Observatoire de Paris. Ce jardin dans lequel vous êtes aujourd'hui, comme vous savez, c'est la partie non ouverte au public. L'Observatoire a un projet sur cette partie jardin public, en faire un jardin thématique de l'astronomie. Alors je vais passer maintenant la parole à nos... D'abord Monsieur Mouchotte. Bonjour messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour célébrer le baptême de cette rose très particulière. Elle est née sous une bonne étoile parce qu'elle a cinq pétales, comme les branches d'une étoile à cinq pétales, et elle a comme autre caractéristique d'avoir des filets qui sont surmontés par des sacs polliniques jaunes. Quand on regarde ça d'un peu loin, avec un peu d'imagination, on peut imaginer les explosions solaires qui se produisent à la surface des étoiles. Elle a gagné la médaille d'or du concours de Bagatelle, mais elle ne s'est pas du tout arrêtée là, parce que la même année, ça a également été la rose préférée des journalistes spécialisés en agriculture de l'association de la JJH. Elle a traversé les frontières parce que les Hollandais à La Haye lui ont également décerné le premier prix des nouveautés. Nos amis d'Ureux en Belgique ont fait de même en fin de saison. Nos amis allemands de Baden-Baden sont restés béats d'admiration devant cette rose. En Alsace également, elle s'est montrée tout à fait sous ses meilleurs jours parce qu'elle a gagné la médaille d'or à Saverne. Ce qui est la preuve que cette rose née sous une bonne étoile est d'ores et déjà en train de devenir une star, parce qu'elle est reconnue. Elle est reconnue par un très très large public dispersé sur l'Europe entière. Ça ne se termine pas encore, parce que cette année, elle vient d'obtenir il y a quelques jours la palme du rosier à Massif au concours qui vient de se tenir à Lyon. Donc vous voyez, la surface géographique dans laquelle cette rose, enthousiasme le public qui la voit, continue à s'élargir. Les étoiles durent longtemps dans le ciel, mais je suis sûr que la rose astronomia va durer longtemps dans les mémoires et dans les catalogues du monde entier. Je vous remercie. Je suis très intimidée, très émue, je dois vous dire, de prendre la parole comme ça, pour l'honneur que vous me faites, Monsieur le Président, parce que faut que je vous raconte une petite histoire. Au mois de janvier dernier, l'Union Astronomique Internationale, qui m'a proposé de donner mon nom à un astéroïde. Et je dois vous dire que quand on reçoit une proposition comme ça, on est plus qu'ému. Et c'est vrai que c'est la société astronomique dans son ensemble, la communauté astronomique m'a énormément touchée en me faisant des grands honneurs comme ça. Mais quand j'ai reçu cette planète, après tout je me l'approprie, hein, elle porte mon nom, alors, elle tourne à 150 millions de kilomètres de la Terre, dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Elle fait 10 kilomètres de diamètre. Et quand j'ai reçu la description de cette planète, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est la planète du Petit Prince. Et trois mois après, je reçois la rose. Alors voilà, je voulais vous dire merci de m'avoir offert ce rêve. Merci Monsieur le Président, et je suis très fière d'être la rose d'Astronomia, d'une rose aussi primée, puisqu'elle a reçu tant de prix. Je vais passer la parole au parrain. Merci.
Cette rose a été primée, il l'a été dit, par l'Association des journalistes du jardin et de l'horticulture. Et Patrick Glemas, son président, ne peut être des nôtres. Et je suis donc chargé de vous présenter ses excuses. Je suis très heureux d'être le parrain de cette rose parce que je suis un grand rêveur. Et quand j'ai découvert cette rose, je repensais à Ronsard. Il m'arrive de me repenser au lointain. Et quand Ronsard écrit les fameux vers mignonnes, etc., eh bien je suis sûr que la fleur qu'il décrit ressemble à cette rose. Enfin une rose, une vraie rose, une rose de jardinier, une rose de jardin, une rose qui tapissera les pelouses de l'Observatoire. Merci vraiment sincèrement de m'avoir choisi comme parrain. Merci. Un peu de champagne sur les roses. On va pas casser la bouteille. Longue vie à la Rose Astronomia et qu'elle vous procure beaucoup de plaisir dans vos jardins.